Bonsoir, bienvenue dans On a tout essayé. Ce soir, chez vous, Sophie Garrel. Christine Bravo. Maureen Dor. Stéphane Cotrin. Pierre Bénichou. Et Christophe Alévêque. Ça va bien, Stéphane Potra? Je suis en pleine forme. Vous n'avez pas vu depuis longtemps, non. Depuis les élections, le référendum? Ben, c'est l'euphorie de la victoire du non, j'ai trop fêté ça, j'étais un peu ballonné, un truc terrible. Terrible. On a deux nonistes par ici. Oui. Tu veux dire deux personnes d'avenir? Deux nonistes. De vous parlez à la majorité. Ouais. Voilà. Oh, tu sais, si on ne leur parle pas. Si tous les cons volaient, ils feraient noir. Hein. Tu dis tous ça pour cons, moi ou pour lui? Elle a pas dit si tous les noirs volaient, ils feraient con. Tu es fier de toi. Hein. Oui. De toi. Bah, elle était irrésistible. Oui, oui, un oui. Peu comme mademoiselle. Qu'est-ce que c'est que cette nouvelle tenue, Sophie Garrel? Un peu de discrétion devant tous ces poitrails dévoilés. Oui, ça va, oui. Oh, bah, écoutez, ça vous va très bien. Oui, mais ça, quand j'achète quelque chose, je le prends à ma taille. Je suis partie de ce principe. Je trouvais que c'est plus pratique de le prendre plus petit, plus grand, c'est idiot. Allez, à bon caractère. Allez, je vous emmène en Angleterre, tous, pour regarder cette photo parue dans Paris Match de la famille royale britannique au balcon du palais de Buckingham. C'était lors de la traditionnelle cérémonie Tripping the Colour, une revue militaire suivie d'une parade aérienne qui célèbre chaque année l'anniversaire officiel de la reine. Ça se passe début juin, bien que bizarrement, elle soit née un 21 avril. Ça, je comprends pas, mais c'est comme ça. C'est pour ça qu'elle fait vieille, elle fait son anniversaire deux fois par an. Alors c'est curieux, regardez bien sur la photo, ils ont tous les mains comme ça. C'est à croire qu'il y a Beckham qui tire un coup franc devant eux. C'est fou, hein? On ne sait pas ce qui se passe. Charles, alors il est magnifique, regardez, le prince Charles d'Angleterre. On ne sait pas s'il est prêt pour être roi d'Angleterre, mais avec la tenue qu'il a pour être portier du Crazy Horse, c'est bon. Hein. Bienvenue, Chou. Bah, ils sont quand même grotesques. Je veux bien que ça se fasse un peu. Alors je dis ça parce que Stevie n'est pas là et qu'il n'aime pas qu'on rigole avec les royautés. C'est horrible. Et c'est les sa mère plumes, qui l'habille. Les belles plumes sur son chapeau à elle. Ben, elle est magnifique, elle. Tu rigoles ou quoi? Mais je rigole pas ou quoi? Je dis la vérité. Ils sont pas, je refuse, c'est pas, ils sont pas bien. Il est temps de passer à la revue de presse des dessins humoristiques de la semaine. Et on commence par le Fred Touron dans Le Canard Enchaîné à propos du procès de Michael Jackson et un Américain qui dit « Il aurait été noir, on le condamnait ». Ça, il est génial. Il est génial. La libération de Florence Aubenas a évidemment énormément inspiré les dessinateurs. Cardon dans Le Canard Enchaîné qui nous rappelle que c'est Chirac, évidemment, qui l'a accueilli à l'aéroport. Et c'est Chirac qui lui dit « Au secours !» Jules, dans L'Humanité, nous livre, lui, la vérité sur la libération de Florence Aubenas. Et Sarkozy nous dit, on l'a échangé contre Cécilia. Un dessin de Delambre dans Le Canard Enchaîné. Chirac, qui s'est félicité de la libération de Florence. Merci à Jean-Pierre Raffarin, dit Chirac. Et évidemment, Raffarin lui dit, mais j'ai déjà été remercié. Oh. Et un dernier dessin sur le sujet avec Riz, toujours dans Charlie Hebdo. Libé accueille Florence Aubenas et on voit Serge Julie qui dit à la journaliste de retour « Je te reprends à l'essai pendant 2 ans ». Un commentaire, Stéphane? Ben, ça fait plaisir. Hein. Ça fait plaisir de voir tous ces dessins parce qu'on commençait par même à douter du fait qu'elle puisse être... libérée. En tout cas, vu comme elle est belle, vu comme elle est intelligente, vu comme elle a l'air d'être douée pour le journalisme, vu comme elle est courageuse et vu comme elle est drôle, il y a des filles dans l'équipe qui devraient faire attention à leur place. Moi? Quoi? Moi? Oh, mais belle, drôle, intelligente. Mais toi, au moins, tu serais debout dans la cave où elle a été enfermée. Allez, on passe à la politique avec Honoré dans Charlie Hebdo qui est revenu sur la chute vertigineuse du président dans les sondages. On le voit perdre 16 points. Jusqu'ici, tout va bien. Mric dans Marianne a peut-être une solution intéressante à proposer au Premier ministre de Villepin. C'est Giroud qui a pris sa retraite. Si Villepin a besoin d'un bon ministre du budget, il sait où me trouver. Un dessin de Pétillon dans Canard Enchaîné encore. Assaut d'amabilité entre Sarko et Villepin, ça faisait presque trop, dit Chirac. Et Villepin dit oui, mais c'est lui qui a commencé.
Willem, dans Charlie, s'est intéressé au problème du couple des Sarkozy. Et là, on voit Nicolas Sarkozy qui dit « J'ai encore entendu un ricanement à propos de notre vie de couple !» Et Cécilia qui dit « C'était moi !» On passe à la gauche avec ce dessin d'Aurel dans Marianne, la boutique de la gauche fermée hein, du 30 mai 2005 à mars 2007. C'est signé la direction. L'annulation de la dette des pays les plus pauvres, annoncée la semaine dernière. Nouveau ce dessin de Lefret Touron dans le Canard enchaîné. Les 18 pays les plus pauvres sont en liesse. Le G8 annule notre dette, dit un Africain. Champagne, dit la dame. Alors ça, c'est horrible. Tous les ans, on a exactement la même chose sur l'annulation de la dette des pays du tiers-monde. Et le problème, c'est même pas d'annuler la dette, c'est d'annuler la dette de la dette. Parce qu'en fait, ils payent les intérêts des intérêts, pour l'instant, ces pays-là. Moi, j'aime bien quand il y a une mesure, enfin, une mesure dont on peut se réjouir par humanité, par générosité, et qu'il y a toujours des mecs comme toi qui viennent dire ça. Mais ils ne le feront pas. Ils ne le font pas. C'est de la mesure, c'est de la poudre aux yeux. Ils lancent ça comme ça. C'est comme quand Chirac parle de l'environnement. Nous allons sauver la planète. C'est faux ce que vous dites parce que j'ai bien entendu le président l'autre jour et je l'ai entendu dire je veux annuler des dettes, il a dit. La fermeture de la Samaritaine maintenant avec Lefret Touron dans le Canard enchaîné, c'est un constat, on trouve plus rien à la Samaritaine. Vous étiez cliente, hein, vous, je suis sûre, de la Samaritaine. Ah, ça y est, j'ai le profil. J'ai le profil cliente samaritaine. Non, c'est trop loin de chez moi. Finalement, ma voiture se gare très bien à Passy. Et je ne vais pas aller jusqu'à la Samaritaine. Madame Prout-Prout. Eh bien, Madame Prout-Prout, il en faut bien. Des gens qui ont des maisons, des gens qui payent l'impôt sur la fortune, il en faut bien. Eh bien, voilà, j'en suis une. Mais la Samaritaine, ben, je suis navrée pour cette histoire-là. Vous payez l'impôt sur la fortune? Oui, je paye l'impôt sur la fortune. Vous la diminuez, elle, l'année prochaine. Mais il suffit peu, on regarde les gens dans l'île de Ré, ils payent l'impôt sur la fortune. Il suffit d'avoir une maison un peu coquette, quelques œuvres d'art, enfin. Regardez les deux autres qui disent, tu payes toi l'impôt sur la fortune. Mais non, mais moi je le paye pas, ça m'énerve. Pourquoi je paye pas l'impôt sur la grande et élégante? Ouais, mais c'est dégueulasse, écoute. Et on termine par un petit dessin de Gueluc dans VSD et la petite souris qui dit « Docteur, je crois que je n'aurai pas de quoi vous payer !» Et le chat qui répond « On peut toujours s'arranger !» Vous voyez comme je fais bien les voix de la souris et du chat. Ah, c'est mon côté bi. J'adore faire le chat. Je crois que c'est Jean-François Derek qui fait la voix du chat. Derek, ah oui, oui, oui. Ah, il roule. Parle pas le chat. Si, je croyais, c'était Derek. Miaule. Ça, c'est vrai. Au mois d'avril est sorti L'Empire du silence aux éditions du Rocher, le nouveau roman de Jacques Lanzmann, l'écrivain et parolier célèbre à qui Jacques Dutronc, on le répète à chaque fois, doit ses plus grands tubes, et moi, et moi, et moi, Paris s'éveille, j'aime les filles, ou encore le cactus. Évidemment, Jacques Lanzmann, on a un peu marre qu'on rappelle ça à chaque fois, parce qu'il a quand même écrit aussi plus de 40 romans. L'Empire du silence est son dernier, et c'est notre célèbre chroniqueuse littéraire, Sophie Garel, qui l'a lu pour nous ce soir. Avant de vous donner la parole, Sophie, non pas que vous soyez privée de désert, voici Jacques Lanzmann. L'Empire du silence, le dernier roman signé Jacques Lanzmann, qui est lié ce roman à un de vos derniers voyages? À plusieurs derniers voyages. Alors Sophie, vous avez lu L'Empire du silence, dites-nous de quoi il s'agit et si ça vous a plu aussi. Alors c'est un polar d'aventure qui ressemble à beaucoup de livres qu'on a lus depuis Da Vinci Code et tous n'étaient pas de la même verve et tous n'étaient pas très intéressants. Celui-ci est intéressant parce que, je pense, on retrouve Jacques Lanzmann dans le héros qui s'appelle en l'occurrence Victor Barski. Et ce Victor Barski, c'est un grand baroudeur, un aventurier qui est poète, écrivain, suivez mon regard, qui est prêt à partir au bout du monde. Et là, il est parti dans le désert à la recherche d'une cité perdue, une Atlantide qui s'appelle Garde.
Haram. Et dans ce désert, il aurait découvert un bouquin de 70 kilos qu'on appelle la Bible de ces habitants de Garam, les Garamantes, c'est comme ça qu'on dit. Qui n'existe plus. Qui n'existe plus. Mais cette Bible lui a été volée, il disparaît. Et un jour, il y a une fille très chic, bon genre, une jeune fille très distinguée, qui est envoyée par son éditeur et à qui on dit, eh ben, il faut que vous nous retrouviez Barsky, qui a écrit des livres, qui est un monsieur, qui a disparu depuis de nombreuses années. Alors, elle part à sa recherche, elle va d'abord dans sa maison en Touraine, elle rencontre le sosie de cet homme, qui n'est autre que son frère, avec qui, en passant, elle a une petite coucherie quand même, histoire de se mettre bien dans le personnage des Barsky. Elle part, elle traverse tout le désert, il lui arrive des aventures dingues. Elle découvre le bouquin, comme par hasard, il est chez un antiquaire, parce que ce bouquin, personne n'en veut, déjà 70 kilos sur le dos, il faut le faire. Elle le découvre, elle l'achète, elle dit, il est pour moi, mais je vais pas m'encombrer. Parce que je pars avec mon dromadaire et qu'il faut que j'aille retrouver toujours Victor Barsky. Elle fantasme un peu sur Victor Barsky. Hein. Il doit être beau, ça doit être Clark Gable, il doit avoir la moustache, enfin, Jacques Lanzmann. Et donc, elle traverse le désert, paf, elle est prise en otage par les Touaregs rebelles. Et puis, bon, alors là, je vais passer sous silence la suite, car effectivement, la fin, c'est un petit peu, je ne dirais pas fleur bleue, rose des sables, je dirais. C'est un peu. Mais c'est un livre qui se lit vraiment avec appétit. C'est un homme qu'on a envie de suivre. Alors, c'est qui? On suit plutôt lui, le Barsky en question, ou plutôt la jeune journaliste? On part à la recherche de ce gars en question. Donc, c'est lui. Enfin, moi, en tant que femelle, je me suis attachée à lui, mais vous faites ce que vous voulez. Hein. Le résumé vous va bien, Jacques Lanzmann? Vous avez raconté le livre très bien. Ah, je l'ai lu. Oui, on le voit. Et c'est rare. J'espère qu'elle vous a donné envie de le lire, ce bouquin. Christine? Ouais, vachement envie de le lire, parce que j'aime bien Jacques Lanzmann. Et dites-moi, vous avez 7 enfants? 7, oui, pour l'instant. La question est donc, vous avez 7 enfants, quand vous partez comme ça, vous les appelez pas, vous rien? C'est par d'égoïsme non total. Non seulement je ne les amène pas, mais je ne leur raconte rien. Lorsque je reviens, d'habitude, les gens qui viennent de faire quelque chose d'assez prodigieux, qui ont reçu des tas d'émotions, ils aiment bien les raconter. Moi, je ne peux pas. Pierre Bénichoux. Pierre le sait. D'abord, je suis très heureux de faire votre connaissance. Enfin, Pierre, lorsque je vous ai rencontré pour la première fois, il y a 45 ans, je crois, ouais. Vous étiez devant les deux magots. Et vous portiez des chaussures violettes. Et ça, pour moi, ça a été une découverte aussi importante que celle du désert. Stéphane Pocra. Moi, j'ai une question pour vous. Je voulais que vous me parliez, parce que ce que je connais bien, moi, c'est la ville, le béton, les immeubles, les trucs comme ça. Je voulais que vous me parliez de votre rapport à la ville. Alors, quel rapport à la ville? Je ne peux pas vivre sans la ville. À quand un grand roman de la ville? De la ville, oui, très bien, mais pour moi, non. Pierre Bénichoux. C'est marrant qu'on dise à Jacques Lanzmann, vous avez tellement bien décrit le désert, les grands espaces, pourquoi ne pas parler de la ville? Et il vous répond. Alors que dans ses chansons, justement, surtout la chanson Paris s'éveille, je crois que personne n'a aussi bien parlé de la ville. Oui. Et sur le boulevard Montparnasse, la gare n'est plus qu'une carcasse. Pour moi, c'est une phrase tellement poétique. Tellement. Et c'est vrai avec que. Avec les voies des bus sur le boulevard Montparnasse. Alors, arrêtons. Attention, c'est pas ça, ma chanson. Non, mais c'est vrai, je trouve que c'est la répartie que j'aurais dû avoir. Eh ben oui, mais demande-moi avant, au lieu de penser qu'à mes chaussures violettes. Christophe Alévèque. Oui, avant de poser une question à M. Lanzmann, que je. Monsieur, non, Jacques. Jacques Lanzmann, un écrivain ne s'appelle jamais monsieur. Alors, avant de poser une question à Jaco, oui, par je exemple. Voudrais passer un message, c'est possible. Je suis inquiet. Depuis mi-janvier exactement, soit 157 jours. On va recommencer. Je suis sans nouvelles de Françoise Malé-Joris. J'avais dit que je vous tiendrais au courant des pérégrinations. Je résume. Quand Françoise Malé-Joris est venue ici, je lui avais confié le roman d'un jeune auteur, dont le titre provisoire était Barbarie ordinaire. Elle l'a lu immédiatement, m'a renvoyé un courrier en me disant qu'elle était intéressée, qu'elle avait des réticences. Je lui renvoie les nouvelles du même auteur avec un CV et depuis, plus aucun contact. Je m'adresse maintenant au ravisseur de Françoise Malé-Joris. Et son secrétaire, Mohamed. Qui doivent être en ce moment dans une cave de 2 mètres carrés.
Enfin, entre 2 mètres et 20 mètres carrés, on ne sait pas bien. Qui doit faire 20 pas par jour et prononcer 80 mots, ou l'inverse. Je m'adresse également à Didier Lambrouille, s'il peut faire quelque chose. En la kidnappant, c'est la liberté d'expression des jeunes auteurs que vous kidnappez. Malheureusement, Françoise Malégoris n'est pas journaliste, on en parlera moins, et je n'ai pas assez d'argent pour payer la rançon. Françoise, donnez-nous de vos nouvelles, nous sommes fin juin. L'émission va bientôt s'arrêter. Peut-être serai-je viré d'ici la fin du mois. Ce serait bien que cette histoire se finisse formidablement bien pour ce jeune auteur, car qu'est-ce qu'il est dur d'être un jeune auteur à notre époque. Françoise, je compte sur toi. Si tout à l'heure, vous n'avez pas répondu à Stéphane Procrin à propos de son idée de roman de la ville, ben j'ai quand même écrit une chanson qui s'appelle « Les 5 heures Paris s'éveille » où je décrivais très bien la capitale. C'est Pierre Bénichoux qui vous a soufflé la réponse. C'est peut-être parce que vous en avez définitivement assez qu'on vous parle des chansons que vous avez écrites pour Dutronc. Pendant assez longtemps, j'en ai eu marre. Pourquoi en avoir marre de... Non, mais si, si, parce que je vais vous dire, je suis dans la rue. Il y a toujours quelqu'un pour venir vers moi et me dire « Ah, vos chansons !» Et pour 10 personnes qui me parlent des chansons, j'en ai que 2 qui me parlent de mes livres. Bah, c'est déjà pas mal, voilà. Moi, on ne parle que de Foufrou depuis des années. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Non, attendez, c'est déjà pas mal. Mais quand on me parle de mes livres, il y a une merveilleuse phrase. Continuez à écrire, vous me faites rêver. Donc je préfère quand même qu'on me parle de mes livres. Parfait. L'Empire du silence, c'est le dernier roman signé Jacques Lanzmann, publié aux éditions du Rocher. Sophie Garel, vous en avez fait un excellent résumé. Jacques Lanzmann, merci d'être venu nous voir. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Cette semaine, le gouvernement a relancé le projet d'une réforme sur la prévention de la récidive après la mise en examen de 2 hommes suspectés, vous le savez, d'avoir assassiné la mère de famille Nelly Crémel, qui était partie en jogging. Parmi les 2 suspects, l'un d'eux avait déjà été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. En 1990, il était en liberté conditionnelle depuis 2003. Ce fait divers a relancé le débat sur la récidive. Avant-hier, M. Sarkozy a annoncé qu'il proposerait des solutions au problème avant le mois de juillet, et même la date du 14 juillet, pour être très précis. Solutions qui ne font pas forcément l'unanimité auprès de certains magistrats. Pour parler de ce sujet, la récidive, accueillons tout de suite justement un magistrat, député du Rhône, auteur de ce livre, Un juge en colère, En finir avec le juge d'instruction. C'est paru en avril dernier aux éditions du Félin. Voici le juge Georges Fenech. Bonjour. On vous appelle... Monsieur le député ou monsieur le juge encore ? Monsieur le député aujourd'hui. Vous pouvez m'appeler monsieur le juge si vous voulez. Ah, monsieur le juge, ça fait peur d'appeler quelqu'un monsieur le juge. Justement, c'est bon. On vous appelle Georges aussi. Merci. Alors c'est vrai que d'un seul coup, à cause de ce drame, ce sujet de la récidive est à nouveau sur les feux de l'actualité. Est-ce que c'est toujours bien de réagir finalement en termes de justice quand justement on est sensible à un fait divers qui vient de se dérouler? Est-ce qu'il vaut mieux pas laisser du temps pour bien réfléchir à la situation? Il ne s'agit pas d'un fait divers malheureusement unique. On se souvient, Baudin, Fourniret, il y a eu ces dernières années des successions de grandes récidives criminelles qui forcément interpelle l'opinion publique et donc les pouvoirs publics et le législateur. Le garde des Sceaux, M. Clément, lui est plutôt favorable, je crois, à ce que vous nous avez amené là, le bracelet électronique. Le fameux bracelet électronique dont on parle depuis des années, il faut dire, qui est déjà appliqué dans de nombreux pays. Chez nous aussi, d'ailleurs, c'est déjà appliqué pour certains cas. Attention, ça n'existe pas encore en France. Ah, c'est d'où, ça vient de sortir. Ça, je l'ai ramené. Mesdames et messieurs, Jérôme Bonaldi. J'ai ramené ce bracelet électronique GPS, et non pas fixe, donc qui fonctionne par satellite. Je l'ai ramené de Miami. Mettez-le. Mettez-le pour une fois, on va voir un juge fait aux pattes, quelle merveille. Allez-y. Oh, c'est quand même assez discret. Mettez-le, je vous dis, je ne vais pas le dire 2 fois. Moi, je vais bien mettre, si vous voulez. Vous voulez que j'appelle les flics ou quoi? Mettez-le. Comprenez bien, M. Bénichoux, qu'il y a autour de ce bracelet une fibre optique. Ouais. Et que si j'ouvre la fibre optique, ça déclenche une alarme. Et les flics vont arriver. Donc, c'est pas qui risquera le plus. Bon, enfin, ça donc, se met au poignet ou à la cheville? Ça pourrait se mettre au poignet, mais c'est plus discret à la cheville, n'est-ce pas? Et ceci est la batterie qui se porte comme un téléphone portable.
Quand on a une petite robe d'été, ça va être pratique. Alors, les femmes peuvent le porter effectivement au poignet. Ça existe également. Oui, c'est à peu près une montre un peu plus grossière, disons. Hein. Alors, le but, c'est de surveiller en permanence. Qui existe déjà en France, vous me posez la question. C'est le bracelet fixe à domicile, l'assignation à résidence. Il faut revenir à 19h le soir chez soi et ne pas en sortir avant 7h du matin. Tandis que cela, qui fonctionne... J'en veux un pour mon mec. C'est génial. Ceci fonctionne en permanence, même lorsque la personne sort, puisque le signal GPS va le localiser en permanence, ce qui permet de penser qu'il y aura un effet dissuasif pour les criminels ou les délinquants qui, se sachant localisés, vont peut-être hésiter avant de commettre une infraction. Pour dormir, pour faire quelques bricoles intimes, alors pour ils sont dormir, bien obligés de quand il arrive chez lui, il se sépare de ceci, il y a une centrale à domicile qui prend le relais, mais par contre, il ne pourra jamais enlever ce bracelet qui est étanche, qui est inallergique, qui n'a aucune conséquence sur la santé. Soyons sérieux deux secondes. Alors, par exemple... Mais je suis sérieux. Non, non, mais c'est, pour mes... c'est pas pour vous, c'est pour mes petits camarades que je dis ça. D'accord. Monsieur le juge, je ne me serais pas permis. Non, pour revenir à, justement au cas récent d'actualité, est-ce que ça aurait changé quelque chose sur ce garçon qui a été condamné à réclusion criminelle à perpétuité, qui a été libéré en conditionnel? Est-ce que lui fait partie des cas qui auraient pu porter, par exemple, un tel bracelet si... Bah, écoutez, moi, c'est ce que je propose dans mon rapport, dans mes conclusions. J'espère que ce sera retenu, je le pense, à savoir que lorsque la personne sort de prison, il faut éviter la sortie sèche, sans contrôle. Autrement dit, la cour d'assises décidera qu'à la sortie de prison, dans le cadre d'un suivi socio-judiciaire, le condamné continuera à porter ce dispositif pendant un délai de 2 à 3 ans. Moi, il y a un truc qui m'a choqué, c'est que ce type était condamné à perpétuité et il a été libéré après 13 ans. Non, alors je vous précise que lorsqu'il a été condamné en 90, il n'existait pas encore les peines incompressibles. Aujourd'hui, la cour d'assises prononce des peines de sûreté qui peuvent aller jusqu'à 30 ans. Hein? Donc, celui-ci a été condamné avant ce dispositif. Mais aujourd'hui, une cour d'assises peut parfaitement condamner à perpétuité, sans mesure de sûreté, et la personne peut effectivement sortir au bout de 15 ans. Et là-dessus, je réfléchis et je pense qu'on devrait peut-être prendre un dispositif qui prévoit que la perpétuité, c'est au minimum 20 ans. Parce que 15 ans, ça me paraît quand même... Qu'est-ce que ça change, 15 ans ou 20 ans? Ça change qu'on fait plaisir à l'opinion publique, à mon avis, à peu de frais, parce que c'est des cas extrêmement douloureux, bien évidemment. Il y a des familles qui sont brisées par cette mort et tout, mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, il faudrait qu'on ait le courage de dire que le système carcéral, hein, la prison, eh bien, ça ne marche pas à tous les coups, que c'est un système qui broie les individus, il faut accepter de le dire, ça, c'est d'abord le premier défait, que les gardiens de prison n'en peuvent plus, ils disent qu'ils n'ont pas les moyens de faire leur boulot dans des bonnes conditions, qu'il y a très souvent, malheureusement trop souvent, des suicides de détenus, qu'on mélange, parce qu'il n'y a pas assez de prisons en France, qu'on mélange des détenus de longue peine et d'autres, donc voilà, c'est ça aujourd'hui la question carcérale. Et il y a des gens qui sortent, et il faut accepter de dire, eh bien, effectivement, ça ne marche pas toujours. Parce que la réalité, c'est que très souvent quand même. Aujourd'hui, il y a 5, je parle pas sur les crimes et délits, mais simplement sur les crimes, sur les meurtres très précisément, il y a 5 pour 1000 de récidives. C'est vrai. Et je pense, moi, que malheureusement, il faut accepter de dire que c'est affreux ou quoi que ce soit, que c'est 5 pour 1000, malheureusement, alors, il est incompressible, vous dire, c'est ça qui est terrible. Je vais vous dire, là où je suis d'accord avec vous, c'est que la prison, malheureusement, fabrique aussi des délinquants. Il faut éviter les courtes peines d'emprisonnement qui sont criminogènes. Et ça, c'est pas un gadget. Ça permet, parce que moi je le propose aussi comme peine alternative à la prison. Plutôt que d'aller faire 3 ou 4 mois de prison, il aura 3 ou 4 mois de surveillance, il pourra continuer à travailler, à mener sa vie de famille, à ne pas se désocialiser. Ça, c'est peut-être une solution d'avenir pour éviter effectivement les courtes peines qui peuvent fabriquer des délinquants. Là-dessus, je vous rejoins, et sur l'état de nos prisons, je vous rejoins aussi. On est encore dans un pays qui a beaucoup, beaucoup de progrès à faire. Christine, bravo. Oui, moi, je pense que c'est très dissuasif. Moi, je suis très, très pour le bracelet, en fait. Je suis persuadée... C'est pas de l'or, hein. ...que quelqu'un, qui a ce dispositif est quand même moins enclin à commettre un délit parce qu'il sait qu'il va être repéré ou etc. Imaginez un pédophile. Voilà. Avec ceci, on peut lui interdire 50 zones d'exclusion. Voilà. C'est-à-dire qu'on lui interdira les sorties d'école, les jardins publics. Exactement. Et donc, on ne le mettra pas en compte. Ou alors les violences conjugales. Un mari qui tape sa femme, vous lui mettez un bracelet. S'il approche la zone de vie de son épouse, ça se déclenche. Ah oui, mais là, quand il ne vit plus avec elle. Bah, bien sûr. Attention, hein. On met ça
à tous les mecs qui battent leurs femmes mais qui vivent avec leurs femmes. Hop, hop, hop. Et qui lèvent la main, ça sonne de partout. Oui. Non, ça, ça marche pas. Mais sa femme va faire ses courses, donc elle sort de son périmètre et là, il peut aller là. La femme a aussi un bracelet sur elle. En Espagne, ça fonctionne. Ils appellent la victime ça... a aussi un bracelet. Oui, ils appellent ça. C'est génial comme société. Je suis allé voir, je suis allé à Madrid. On va tous avoir un bracelet. Ah non, ça c'est pas les possible. Femmes ont des boutons de panique, elles appellent ça des boutons de panique. Quand elles voient leur mari approcher, elles appuient sur un bouton. Ah, mais c'est ça que fait ma femme tout le temps. Ah oui. Attends, mais c'est vrai. Je connaissais pas ça. Si, ça existe. Les boutons de panique. Mais c'est vachement bien, Christophe, pour rassurer une femme. Monsieur le juge, je voudrais vous demander quelque chose. On va se balader tous avec des bracelets, puis on va se balader avec des caméras sur la tête, et puis avec un GPS dans le cœur, avec un ordinateur dans le... Mais arrêtons. Mais ça rassure, mais moi je veux bien... Ça rassure les cons. Mais non, ça rassure les femmes, enfin, Christophe, écoute. Une femme battue. Ça marche pas, ces trucs-là, ça va se mettre en route sans arrêt. Ah, si. Elle va flipper sans arrêt. Ben, mon mari. Mais t'es mimé. Non. Mais c'est de la caricature. Ça marche, bien sûr. Stéphane Pocra. Vous avez dit, on va passer en gros du modèle carcéral à un modèle de société de la surveillance. Surveillance et du contrôle. Mais moi, ce modèle social de la surveillance et du contrôle, si on l'étend trop, ça fait vraiment très, très peur. Oui. Vous dites qu'il y a des pays, effectivement, où ça a été déjà mis en place. Aux États-Unis, en Grande-Bretagne. Oui. C'est vrai, mais que je sache, aux États-Unis, il y a encore de la récidive. Je crains qu'on paye très, très cher, en termes de modèle de société, qu'on paye très, très cher les innovations que vous proposez. Alors c'est quoi dans les faits, les résultats de ces bracelets, par exemple, aux États-Unis ou en Grande-Bretagne? Ce que j'ai pu constater, notamment à Miami, c'est que le contrôle judiciaire classique, sans surveillance, il y a un taux de récidive de l'ordre d'à peu près 5%. Le contrôle judiciaire sous surveillance électronique, la récidive tombe à 2%. Donc il y a quand même un résultat. Mais il faut quand même reconnaître que les personnes qui sont placées sous surveillance électronique ne sont pas n'importe qui. Il faut les trier sur le volet. Parce que ça suppose d'être intelligent, d'être structuré pour pouvoir éviter les zones d'exclusion. On a un problème dans ce pays avec les juges d'application des peines. C'est pas moi qui le dis, c'est M. Warsmann, député UMP, qui est quelqu'un de sérieux. Parfait. Aujourd'hui, on a 295, je crois, de mémoire, juges d'application des peines. Et vous devriez faire de la politique. Et il n'y en a pas assez. Et donc, c'est pour ça que je veux dire, c'est très facile de montrer à l'opinion, de pointer du doigt la question de la récidive. Alors là-dessus, vous avez raison. Mais la technologie... Ça ne remplace pas l'humain. Eh bien, commençons déjà. Il faut des agents de probation, il faut augmenter les budgets. Commençons par faire ça, parce que ça fait 20 ans qu'on entend ça. On peut faire les deux. Et qu'on ne le fait pas. Et donc, je dis, on est en train de nous filer un modèle social, alors qu'on n'a même pas essayé d'avancer sur plus d'humains, les agents de probation, un vrai suivi des prisonniers lorsqu'ils sortent de prison. Voilà. Quand est-ce qu'on le fera? Exactement. Vous avez raison. Maureen Dor. C'est qu'en fait, ça va coûter combien, par exemple? Alors, une journée prison, ça coûte 65 euros. À peu près. Ah, c'est plus cher que le petit hôtel à côté de chez moi. Bon, le bracelet fixe qui existe déjà en France, ça coûte à peu près 15 euros par jour. Ceci est plus cher, évidemment, parce qu'on utilise le satellite. Ça coûte un peu plus cher. Ça coûte à peu près, on peut l'estimer, environ 50 euros par jour. Mais ça reste moins cher qu'une journée prison. Avec les gens qui vont surveiller, tout ça compris? Non. 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 Mais c'est ça, mais alors pourquoi est-ce qu'on ne donnerait pas des salaires, plutôt que de payer des salaires à des gens qui vont regarder si quelqu'un est sorti de la zone, pourquoi est-ce qu'on ne donnerait pas ces salaires pour justement avoir plus... derrière le mec? Non, pour qu'il y ait plus d'assistantes sociales, pour essayer de réinsérer comme ça, d'une manière plus humaine. C'est vrai qu'il manque du personnel, notamment à l'application des peines, notamment dans les SPIP. Tout ça, il faut le faire. Mais on a une technologie, il faut aussi, il ne faut pas s'en priver. Regardez les radars. Depuis qu'on a les radars automatiques, on a fait chuter le nombre de morts dans ce pays. On est passé de 8000 morts à 5000 morts. On a économisé 3000 vies. C'est de la technologie moderne. Mais il n'y a pas que ça. Mais enfin, arrêtez. Là, moi, quand j'entends ça, c'est vraiment... c'est à cause des radars que c'est les morts ont baissé sur les routes. Attendez. Non, mais si on écoute monsieur, c'est que à cause des radars. Peut-être que les voitures se sont aussi un peu améliorées. Ça va être l'heure d'en remettre ton bracelet. Hein. Parce que vraiment, là, ça va plus. Vous êtes bon. Ça va plus. On ne résoudra pas le problème ce soir. C'est un sujet d'actualité, la récidive. Avant le 14 juillet, on en saura de toute façon beaucoup plus. Georges Fenech, un juge en colère, je vous rappelle, c'est aux éditions Le Fela. On finira avec le juge d'instruction. On en a fini avec vous aujourd'hui, en tout cas. Merci beaucoup. Notre dernier invité pour ce vendredi soir,
C'est l'homme qui retourne sa veste le plus rapidement du monde. Non, ce n'est pas François Fillon, c'est le grand transformiste Arturo Brachetti. À partir du 23 juin prochain, Arturo Brachetti sera au théâtre de Mogador à Paris pour son nouveau one-man show Arturo Brachetti au théâtre Mogador. C'est le titre. On sent qu'il est plus doué pour changer de déguisement que pour trouver des titres de spectacle. Au mois de mai dernier, l'homme qui a le dressing le plus grand du monde a en tout cas sorti un DVD de son précédent spectacle. Et comme tout est magique chez Arturo Brachetti, regardez ce qu'il faut faire. Je ne sais pas si je vais y arriver. Hop! Oh! Hop! 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 Ça va! Voici Arturo Brachetti! Opa! Salut! C'est vrai quand même, hein? Que vous pourriez vous fouler un peu pour trouver des titres de spectacle. Arturo Brachetti au théâtre de Mogador. Est-ce que c'est un titre de spectacle, ça? Ben, au moins, c'est pratique. On sait où aller pour acheter les billets. Ça, c'est vrai en même temps. À partir du 23 juin, est-ce que c'est un nouveau spectacle? Est-ce que c'est un spectacle modifié? C'est la question, évidemment, qu'on a envie de vous poser. C'est le vieux spectacle rétapé. Combien de personnages encore, alors, dans ce spectacle? 90. 90, oui. Oui, un beau psychodrame pour un schizophrène. Et combien de personnes avec vous en coulisses? Alors, c'est ça qui m'a toujours fasciné. Alors, il y a deux personnes qui me touchent. Que c'est déjà pas mal, n'est-ce pas? Non, mais il y a seulement deux qui me touchent, un pour les costumes, un pour les chapeaux, et les autres, c'est pour la machinerie du spectacle, et quand même, c'est très compliqué. Ceux qui vous aident à vous changer, si oui, vous voulez, c'est deux. Ils sont que deux. Mais arrêtez de casser la magie, sinon, il n'y a personne en coulisses, enfin. Mais il est fou, il craque. Mais non, c'est de la magie, le scoop. Je n'avais jamais vu. Non, il faut vraiment aussi donner du crédit aux gens qui travaillent dans l'ombre. Ne répondez pas à ces questions, parce que moi, ce que j'aime bien... Je la connais. Ce que j'aime bien... Non, mais pas ces questions à elle. Chaque fois qu'on va vous demander les trucs, il ne faut pas répondre, parce qu'il y a... Il y a des enfants qui vont voir votre spectacle, oui, et qui ont besoin. Laurent Ruquier, est-ce que je peux c'est en placer une gros, c'est pas la première fois que tu vois un truc qui s'allonge quand tu le touches, alors arrête un peu. Bon, alors... Pas quand tu le touches, quand tu le tires. Les derniers pays traversés, hein, c'était lequel tu jouais à travers le monde? Ah non, je fais la France. Cette année, c'était la France à tapis. T'attends. C'est vrai? Ah oui, oui. Ah, mais je pensais que vous étiez à travers le monde, moi. L'année passée. L'année passée, où c'était l'année passée? Ah oui, on a fait l'Amérique et le Canada. L'Amérique et le Canada. Ah, ça t'a pas plu, t'as dit que les... Je me dis des choses comme ça, après je le répète à la télé, on m'accepte plus aux États-Unis. Mais t'as dit... C'est vrai que l'Amérique... Tu as dit qu'ils comprenaient pas, la poésie. L'Amérique, tu as dit c'est deux pays différents. Ils pensaient qu'au supermarché, oui, et tout ça. Deux pays différents, l'Amérique. Un pays qu'on visite en vacances, New York, Las Vegas, et puis la vraie Amérique. Voilà. La vraie qui est entre Los Angeles et New York. Et ça, c'est pas marrant comme la campagne française, hein. C'est marrant la campagne française. Oui, on mange bien, les gens sont sympas. Vous êtes bien marré dans la campagne française. Oui, pourquoi? Non, pas ça. J'ai raté des trucs encore. Tu me fais des yeux comme ça. Comme c'est parce qu'on a des photos. Je mesure 1m80, je pèse 63 kilos. Et ça, j'imagine que... Ça, c'est une de vos déclarations. Ouais. J'imagine qu'il faut que vous fassiez... Sans la houppe, avec la houppe, sauf 64. Bien sûr. Bon. Et faut que vous fassiez attention, j'imagine, au poids, oui, parce que les costumes doivent être réglés. Oui, j'ai fait la diète. Et moi, je l'ai vu, j'ai trouvé ça formidable, oui, puisque tu me le demandes. Ah oui, bien comment sûr, vous avez trouvé ce... Et les bonus. Et formidable, il y a des bonus. Il y a des gros bonus. Comment vous avez trouvé ce DVD? Super. Super, on regarde ça en famille. Mais rien, les amis. On dirait qu'on te paye pour faire ça. Ouais, tu vois. Lui, il a découvert un truc. Maintenant, oui, c'est toute la journée, il fait la suite. C'est chouette. Et tu sais qu'il y a des gens qui n'ont pas arrivé à l'ouvrir. Ils ont ouvert toi avec un paire de ciseaux. Ah, oui. Il faut être un peu comme ça. Est-ce que vous avez réussi à l'ouvrir et vous l'avez regardé? Ouais, je l'ai regardé. Je trouve ça vraiment génial. Les bonus aussi, tu dois. Bah oui, j'ai regardé. Les coulisses. Les coulisses, bah oui. Enfin, tu dis pas grand-chose, hein. T'es gonflé. Ça va. On voit pas grand-chose des coulisses et tout. Parce que ce que j'avais envie, tu dis que quand tu rentres dans un habit, c'est tellement cousu au millimètre, au centimètre, que si jamais tu grossis, si n'importe quoi, tu peux te coincer. Ah oui. Moi, ce qui m'intéresse, c'est quand tu te coinces. Je me fais mal aussi. Non, tu te fais mal où? Oh ben, je me fais mal souvent dans le spectacle. Mais où? Regarde, là. Tada! Ça, c'est la blessure du pirate. Mais je suis tombé de scène. Parce que hein, c'est un travail physique. Au théâtre Marigny, quand je disparais sur scène et j'apparais devant le public,
Ça veut dire qu'en effet, je fonce dans les couloirs pour apparaître au fond de la salle. Et un jour, un machiniste, il a laissé une porte de sécurité fermée, donc je rentre, ping, et je me tape une barre de fer là, tout le sang qui coulait comme ça. Je suis arrivé sur scène, je ne m'étais même pas perçu, et je vois le public qui me regardait comme ça. Et j'ai dit, putain, ça fait chaud ce soir, c'était pas de la chaleur, je fais, c'était rouge. Maureen Dore, vous aimez évidemment. J'aime beaucoup, j'ai vu ces deux spectacles. J'avoue que pour le deuxième, j'ai été un petit peu frustrée parce qu'il y avait moins... J'avais l'impression qu'il y avait moins de transformation. Non, c'est la même. C'est vrai? Ouais. Alors c'est peut-être parce que comme vous racontez plus une histoire... Oui, c'est ça. Tu es ça pris paraît, par... Ça paraît moins... Oui, alors qu'avant c'était plus variété. Un, deux, trois, et voilà. Un, deux, trois, voilà. Les gens... Et moi j'avoue que c'est ce qui me plaisait, c'est ce qui m'épatait le plus. C'est vrai que j'ai vu trois fois votre spectacle, le premier spectacle, tellement... Et c'est vrai que là j'ai trouvé que c'était un peu trop dilué. Oui, c'est sûr que la quatrième fois vous vous êtes dit, tiens, c'est moins bien. Mais quand même. Christophe à l'évêque. Oui, ben moi j'ai vu les deux spectacles. J'avais vu à Montréal, moi, la création. Et j'ai vu... Excuse-moi de t'avoir interrompu. Non, non, c'est pas grave, je me rappelle bien de toi, d'ailleurs. On était ça, la même fête. C'est ça, oui, j'ai pas entendu tout le spectacle, mais heureusement que c'est visuel, surtout parce qu'elle m'a cassé les couilles pendant une heure et demie. Mais j'ai vu les deux spectacles, moi je suis fan de... C'est un spectacle complet. Et je me disais, en regardant sur le DVD, peut-être qu'on va perdre... peut-être qu'on va... Je t'ai fait peur, et encore, t'as rien vu. Peut-être qu'on va perdre le... Parce que c'est quand même très spectaculaire, très visuel. On va perdre... Ah, ça c'est bien fait, le petit Jésus t'a puni. Il vient de se manger ça dans les dents. Ouais. Arturo! Oui. Voilà, Christophe. Alors. Non, et franchement, c'est magnifique, ah. Bellissimo, merveilloso. Il fallait le dire. Grandissimo. Je dois le payer après pericoloso. J'aurais bien aimé être italien, moi. Malheureusement, la constitution n'est pas passée, c'est trop tard. Sofia Garelli. Moi, j'ai vu aussi vos spectacles, une fois avec des gens plus âgés que moi, ça existe, et puis une fois avec mes petits-enfants. Et dans les deux cas de figure, c'était formidable de regarder leur figure, car ils étaient enchantés, transportés, et c'est vrai que je ne me suis pas lassée, j'irai bien une troisième fois avec autant de bonheur. La question que je voulais vous poser, qui a l'idée de tous ces costumes? Et ces costumes, je suppose, sont faits au poil près pour vous. Oui, mais les costumes, c'est moi que je les conçois, et c'est ça que je fais depuis l'âge de 15 ans. Je n'ai 350 à la maison. En tout cas, ça vous a permis de devenir l'homme aux 1000 visages. Regardons ensemble un extrait du fameux DVD. Arturo Brachetti, de retour à Paris à partir du 23 juin à Mogador et en DVD. Vous pouvez nous faire un petit numéro là sur le plateau? Mais si tu veux, je fais une connerie que je fais souvent au restaurant. Avec la serviette de table? Ah, oui, je la fais enfin, pour m'amuser, c'est pas un vrai numéro. Alors l'histoire c'est comme ça, je suis né dans un mouchoir de terre, ma mère était une jeune farmière, mon père un gitan andalou. J'ai passé toute mon enfance à l'ombre des nichons d'une nourrice italienne. Mais elle m'abandonna sur les gradins d'un couvent de bonnes sœurs carmélites. Ave Maria. Bon, les bonnes sœurs, c'était très bien, mais vers 14 ans, j'ai voulu m'enfuir du couvent. Alors, avec des vieilles bougies, je me suis fait un pistolet. Je gagnais la sortie en faisant peur à la sœur gardienne. Fais la sœur gardienne. Très bien, très bien, très bien. Et je suis parti vers Paris. Paris, la ville lumière. À Paris, je fais des connaissances fantastiques. Par exemple, au Crazy Horse, j'ai connu la belle Lolo Ferrari. Où était Lynn Renault? Je ne me rappelle plus. Elle me dit ça. Viens chez moi, je te ferai voir ma chatte. Et là, c'est la fin du numéro, n'est-ce pas? C'est bien, hein, tout ce qu'on peut faire avec une serviette. Mais je m'attendais à autre chose, moi. Ok,
alors c'est un jeu pour les adultes, hein. Ah. Bon, quand même. Alors la serviette... Éloignez les enfants. On la plie en deux, comme ça. Ah. Et on va faire une sentinelle. Bon, alors, pour avoir un sentinelle, d'abord, il faut faire la caserne. La caserne. La caserne, on va faire une petite comme ça, un triangle, tu vois, sur le toit de la caserne, OK? Comme ça, voilà. Et puis, la sentinelle, elle reste sur le bout de la caserne pour faire la garde, non? Comme ça. Non, vers l'autre côté. Ah, oui, comme voilà, ça. Comme ça. Comme ça. Et maintenant, tu veux voir la sentinelle? Je suis nul en travaux. Tu veux voir la sentinelle qui fait le garde à vue? Je suis nul en travaux manuels. Oui, qui fait le garde à vue. Garde à vue, alors. Et voilà. Voilà. C'est ça. Voilà, j'ai réussi. Très bien. Je suis content. Ah, bravo. Est-ce qu'en Italie, pendant votre enfance, vous avez croisé un garçon qui a sûrement des origines italiennes, qui s'appelle Geronimo Bonaldi et qui nous présente toutes les inventions du moment? Ah oui. Oh, ça va? Bonjour, Géron. Alors, c'est fait pour être dans les jardins. J'ai des mauvaises nouvelles, de très mauvaises nouvelles, les beaux jours reviennent. Ça veut dire qu'on va continuer à prendre des apéritifs le soir, dehors, qu'on va dîner dehors, et que donc on va se faire piquer par les abominables moustiques avec les beaux jours qui reviennent. Heureusement est arrivé ceci. Alors ça, la bombe anti-moustique, c'est... Ça, c'est l'arme absolue contre les moustiques. Ça se met dans le sac à main. Non. Ça se met dehors. Yeah. Alors, comment il fait le moustique pour savoir qu'on est là? Ah ben, il téléphone. Le truc, le moustique, il sent l'homme. Il se relève jamais. Il sent l'homme. Il sent l'humain. Il sent l'homme. Et qu'est-ce qui caractérise l'humain? C'est sa respiration, en particulier le CO2, le dioxyde de carbone, le gaz carbonique qu'on a quand on respire. Du coup, cette machine, qu'est-ce qu'elle fait? Elle brûle du gaz propane et elle fait du gaz carbonique. Très peu. Très peu, très peu, très peu. Mais il y a plus encore. Le moustique, il adore l'odeur du sous-bois. Vous savez, l'automne, l'idéal pour lui, c'est... C'est pour ça qu'ils sont tous sur moi. L'idéal, c'est l'odeur du champignon. On n'a pas dit du dessous de bras, on a dit du sous-bois. Voilà, voilà. Non. Continue, Jérôme. Donc, on en a fait du synthétique. Voilà l'odeur, santé, ça sent le champignon synthétique. C'est assez fort. Oh, donc, ça fait... C'est infect. Ah ben, ça sent le champignon fort. Le moustique, il est là, il sent, un, l'homme, deux, l'odeur qu'il préfère, celle du sous-bois, même synthétique, il arrive, il arrive par ici parce que l'odeur, elle vient de là. Or, quand il est là, qu'est-ce qui se passe? Il est aspiré par le côté. Robert, j'ai cassé le truc. Il est aspiré tous les moustiques. Il est aspiré sur le côté, il va jusqu'ici, hop, dans une petite toile. Là, il est prisonnier, il ne peut pas sortir, et il se dessèche, il se déshydrate, et il meurt. Et après, on fait je Alors, après... connaissais le canon de 75 pour tuer un moineau, mais un truc comme ça pour tuer un moustique, c'est absolument... Non, mais... C'est beaucoup plus... Bah, ouais, mais seul, parfois, franchement, avouez-le. Non, mais un truc... Avouez-le, seul, parfois, le tout petit moustique arrive à s'échapper et encore à voler. Avouez. Non, parce que... Parce que dans ces cas-là, on dit les trois moustiques errent. Ah. Oui, si on veut. Si on veut. Vous le branchez au début de l'été, au fond du jardin, Jérôme. Vous l'oubliez pendant tout l'été, ça marche. Oui, mais dis-moi, Jérôme, si ça rejette du CO2, c'est ça? Oui, c'est totalement anti. Franchement, Jérôme, plutôt que de nous amener une machine pour rejeter du CO2, vous n'avez rien comme machine qui nous attirerait les JO 2012? Je voudrais répondre à l'attaque légitime, mais déplacée de Maureen Dore. Si on faisait l'éco-bilan, autrement appelé l'analyse du cycle de vie de ce truc-là, c'est mille fois plus efficace et moins nocif pour le bilan énergétique général, le bilan écologique, y compris la fabrication et la destruction du produit, c'est mille fois mieux que tous les magnets, que tous les petits que vous avez. Bah là, tu Voilà, on est d'accord. Bravo, Jérôme Bonaldi. Regardez, ceci, on s'est dit, tiens, qu'est-ce que c'est que ce drôle de truc? Ça, c'est bizarre, un petit peu comme ça. C'est des boucles d'oreilles. Monsieur Pochrin, s'il vous plaît. C'est pour aller avec la trappe moustique. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, mettre ça? Je vous laisse le mot. Laurent, je vous ai promis, prêtez-moi votre talon, mettez votre talon ici. Regardez comment ça va. Ah non, mais je ne veux pas. Non, vous n'allez pas en faire, mais c'est juste parce qu'on a besoin d'un talon. Regardez, c'est simple. Mais vous prenez une chaussure, n'importe laquelle. Ça ne marche pas avec les talons pointes. Vous mettez ceci comme cela, là, tac, coincé ici, vous l'avez vu là, ça se coince comme ça, clac, vous mettez l'élastique autour, et d'un seul coup, alors regardez, ça c'est formidable. C'est un beau pied. Hein. Vous avez un pied, mais beau, mais beau, mais beau. Et ça permet soit de marcher, soit de glisser. Je vous tiens, je vous promets, vous n'allez pas vous faire mal. Je suis pas idiot. Avec un sol, je ne vais pas me casser la gueule quand même. On ne sait jamais. Votre assureur...
Voilà, vous marchez. Ah, ça fait des lumières, voilà. En plus. Et de temps en temps, vous pouvez, si vous le désirez, zouf. Voilà. Tiens, regarde, c'est regarde. Que, toi, il y en a un de quelle planète? Ça va bien, mais c'est con, je vous rigole. Ah non, mais on peut rouler, Mars, alors, aussi. Allez-y. Ah non, mais on peut rouler. Voilà. Regardez. Ah, mais pourquoi la mienne, elle brille pas? Mais si, si, elle brille aussi. Oh, oh. Ah non, mais c'est la classe, c'est bien, c'est bien. Non, c'est très bien, et on ne l'arrête plus. Et c'est fantastique. Bravo. Ouais, voilà. Et on ne l'arrête plus, maintenant. Ouais. C'est un débutant, il a essayé pendant 2 minutes. Au bout de 10 minutes, si vous voulez faire du roller, c'est pas tout à fait le roller, mais on peut quand même s'amuser à marcher, vous savez, le moonwalk. On peut glisser vraiment, on peut s'amuser. Et en plus, on marche. C'est très léger, ça se porte comme ça, et c'est garanti plusieurs années. Bravo, Jérôme Bonaldi. Merci, je vous laisse. Bonjour. C'est l'heure du Kika déconner. Après vous leur donner le petit matériel, regardez le classement, parce que chaque vendredi... Alors, d'abord, il y a eu un gros changement cette semaine. Jean-Pierre Raffarin est enfin en tête. Il a fallu qu'il soit chassé de Matignon pour finir en tête de notre Kika déconner. 900 points contre on, suivi de près par le président Chirac. 1100 points, mesdames et messieurs, bonsoir. 3 Giscard, 735, 34 Fabius, 630, 5 Sarkozy remonte à 580. Aucun changement dans la deuxième moitié du classement. Mais attention, tout peut encore arriver. D'abord, une entrée, Daniel Ducruet. Pourquoi Daniel Ducruet? L'ex-mari de Stéphanie fricoterait de trop près, d'après une certaine presse, avec Madame Jean-Pierre Pernaud, qui elle aussi est dans la ferme. Ouh là 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 là! Qui elle en a été obligée de démentir hier en disant non, 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 je suis fidèle à mon mari, c'est pas parce qu'on m'a vu aller à la douche avec Daniel Ducruet que. C'est vrai qu'on peut prendre une douche ensemble et puis. Et se laver, voilà. Combien pour Daniel Ducruet qui a déconné? Maureen Dor. Zéro, il est venu quand même dans la ferme. Pour ça. Un peu pour ça quand même. Voilà, bien sûr. Pierre Bénichoux. Moi je mets zéro pour les mêmes raisons. Et puis quand on va dans ce genre d'émission, pour une femme, après on la ferme. C'est tout. Pas à rien dire. Sophie. Zéro. C'était ça ou les vaches ou les autruches? Autant Nathalie. Stéphane Pocra. Non, moi je lui mets zéro parce qu'il sait combien ça peut lui coûter. Merci madame. Ah oui, combien ça coûte? Oh là là. Merci, merci beaucoup, merci. Oui, merci. Mais qu'a répondu Nathalie Marquet? Elle a répondu un Pernod, sinon rien. Oh, oh bravo. Christine. 30, c'est une bombe ce mec. C'est à elle qu'il faut mettre 30 points de ne pas avoir dit oui. Attends, mais tu l'as pas vu? Oui, zéro, c'est pas de sa faute, c'est la faute de son mari. Quand on envoie sa femme à la ferme, faut pas s'étonner qu'elle devienne cochonne. Wow. Arthur Ombre, Cathy. Ah bon, je donne 10 parce que de toute façon, à la ferme, on s'emmerde alors. Mais t'es 30 points alors? Oui, non, elle a fait son. Tu veux 30 points? Ah oui, oui. Je l'ai visé clair, hein. Tiens, tiens, alors, pour toi, alors. Voilà, ce qu'on appelle un homme de conviction, ça. Voilà, c'est ça, ça va vite. 30 points pour Daniel Ducruet, voilà. Total 60. Ah non, là. Et maintenant, je vous propose David Beckham. Alors, vous allez me dire, pourquoi David Beckham? Eh bien, franchement, ça fait 3 jours qu'on ne nous annonce pas une nouvelle maîtresse, donc ça veut dire qu'il est en petite forme, et ça... C'est pas bien, David, tu nous déçois. 0, 10, 20 ou 30 points. Moi, je lui mets 30 points parce qu'il paraît que c'est une grosse crapule, ce type. Pierre Bénichou. Moi, je lui mets 30 points pour les mêmes raisons que j'ai mis 0 point à Ducruet, c'est-à-dire que Ducruet fait son métier, lui, il ne le fait pas. Voilà, bravo, Pierre. Ah, oui. Ça, c'est du vote. Sophie Garel. 0 point. Moi, je suis pour la paix des ménages et enfin, il va s'occuper de sa petite femme. Voilà. Je mets 30 points et je le dis avec une certaine émotion. Mais je voudrais mettre 30 points à Laurent Ruquier parce que d'habitude, il nous fait commenter ce que disent les gens. Et là, quand le mec ne fait rien, il le met dans le kick à déconner. Oui. C'est n'importe quoi. Voilà. C'est totalement n'importe quoi. C'est pour faire bouger le classement. C'est pour faire avancer le chimini-mini. Non, moi, je mets 30 points parce que le chef, il veut 30 points, hein, mon chef. Bravo, ma petite Christine. Voilà. Christophe. J'avais mis 30 points avant. De... Tiens, je vais mettre 0, tiens. Non, 30 points, l'important. 30 points. Oui. J'aime pas les faillots, virez. Arturo Brachetti, combien? Je mets 30 points parce que le football, ça me fait chier. Eh ben voilà, voilà, ça c'est clair au moins. On est quand même beau gosse. Et total pour David Beckham, 180 points.
Arturo Brachetti au Théâtre Mogador à partir du 23 juin. Prochaine semaine. Et n'oubliez pas le... Voilà, le DVD magique. DVD magique du spectacle. Bye bye, à demain, bon week-end. Ouais.